Bonjour, merci d'être avec nous au programme de la Coupe. Ça nous donne des matchs souvent très intenses, hein, Pierre. Ouais, salut Hervé, c'est vrai qu'avec de l'intensité, on a quand même plus de chances de voir un bon spectacle. Cette rencontre va nous permettre de suivre la Suède face à l'Italie. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, avec des joueurs qui vont devoir retrouver leurs automatismes, c'est pas toujours évident parce qu'il peut s'écouler des semaines, voire des mois entiers entre deux matchs en sélection. Cette rencontre, elle va se dérouler dans un stade d'une capacité honorable. Tout est en place. On va te fumer, c'est bien. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Hein. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Et voici le schéma de jeu mis en place par l'entraîneur. Il a choisi un 4-2-4 pour essayer de contrer l'adversaire du jour. Pour te dire, comme c'est récent, c'était le système utilisé par les Brésiliens en 58 quand ils sont devenus champions du monde. L'équipe de Suède qui donne le coup d'envoi du match. Attention, attention, il n'y a plus que le gardien. Attention. Oh, le but ! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ah, c'est un ballon très travaillé avec une trajectoire qui ne laisse aucune chance à un gardien. Ouais, le buteur a mis suffisamment d'effet dans sa frappe, c'est superbe. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. La squadra Azura qui a l'avantage dans cette partie pour le moment. Victor Nilsson, Lindelof. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ouais, bon. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Ah oui, le tir. Et encore un but. Un deuxième but.
Mais ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Guidetti. Non, elle a été interceptée cette passe. On s'approche de la zone de vérité. Ce sera une touche pour la squadra. Florenzi. Ah, il est un petit peu pris là quand même. De Rossi. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. À la touche à venir après ce bon tacle. Guidetti. Il centre au premier pot. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Le ballon qui change de camp. Attention, il a du champ devant lui. Ah, le but ! Oh, le but phénoménal ! C'est son troisième but hein, dans ce match. Un triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Hein. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. Il va y aller. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Choisit la frappe. Ah, il rate le cadre, mais de justesse. Oscar Vent. Ah, ça va être compliqué. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Ah, elle a du potentiel cette. La bonne conduite. Ah, dommage, le manque de précision, c'était bien vu, important. Hein, et marque ! Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher pour le gardien. Aucune chance au gardien à bout portant. Et la série qui continue pour le buteur fou du jour. Dans un grand jour, hein, il veut marquer le match de son empreinte. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Un sourire à l'entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Berg. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention ! Ouais, il repousse, ça joue.
La passe est interceptée. La touche.